Hello les steppeurs et les steppeuses et bienvenue sur la chaîne Step in Crypto, la chaîne où l'on parle de step in, de sport et de crypto-monnaie. Aujourd'hui, je te propose un nouveau concept de vidéo. On va désormais se retrouver une fois par mois où on va faire un check-up sur l'état du marché actuel sur step in. On va prendre évidemment les tokens, les actifs principaux comme les chaussures et je vais créer aussi une playlist associée. Comme ça, il y aura toute la donnée qui sera centralisée dans cette playlist. Ce sera facile pour les joueurs qui soit sont déjà sur step in, soit qui veulent rentrer sur step in, d'aller trouver en fait l'historique des prix. Donc, il y aura la playlist de l'état du marché sur step in. Donc, déjà, on se rend sur CoinMarketCap pour regarder les prix des tokens. Le GMT est à 20 centimes actuellement. Son plus bas, si on regarde, il l'avait déjà touché ici, donc vers le mois de décembre. Ensuite, il avait fait une assez grosse remontée où il était remonté aux 60 centimes. Et là, on a redescendu depuis un bon cycle baissier, depuis à peu près 6 mois. Le cours du token a rebaissé pour réatteindre à nouveau cette valeur seuil des 20 centimes. Donc là, ça va être intéressant de voir comment le GMT va réagir. Là, on voit qu'il stagne depuis pas mal de temps. Est-ce qu'il va casser à la baisse ou est-ce qu'au contraire il va remonter d'un coup? Donc ça va être intéressant à surveiller. En ce qui concerne les GST, c'est un peu la même chose que pour le GMT. Le GST sur Solana est pareil, pas loin de son plus bas historique. On est sur les 0,12 à l'heure actuelle. Il avait déjà été vers les 0,12 au mois de juin. Ensuite, il était remonté. Donc ouais, là aussi, il est à son plus bas historique. Ça va être intéressant de voir en fait comment tout ça réagit. C'est la même chose pour le GST sur Binance, qui est même lui descendu en dessous des 1,2 centimes et non pas des 12, comme je l'ai dit. Et le GST sur ETH lui montre une tendance qui n'est pas du tout la même avec ce qu'il y a récemment eu. Il y a eu un récent gros pump sur ETH, je le rappelle. Donc lui, il est passé de 5 centimes à au plus haut 40 centimes. Et là, il s'est stabilisé entre les 20 et les 25 centimes. C'est assez paradoxal, à part pour ETH, c'est assez paradoxal. On voit des prix de tokens qui sont très très bas. Pourtant, l'écosystème se porte bien. Il y a plein de choses qui vont super bien. Donc à voir si ça va se répercuter dans les prochains mois sur le prix du token ou si cette tendance va se continuer ainsi. Pour le prix des actifs, on va sur Step in Market Guide. On va déjà commencer par l'onglet Dashboard en haut qui résume le prix des actifs sur toutes les blockchains. Sur Solana, les chaussures ont pas mal pumpé récemment. On est pratiquement maintenant aux 150 GMT de floor price. Les zones communes, on est en dessous des 300, 286, et les rares entre 900 et 1000 à peu près pour une chaussure rare. Et les épiques, on est descendu en dessous des 6000 GMT. Je rappelle que voilà la trend sur les 30 jours, on a pas mal descendu là en ce mois d'août. Évidemment, il y a très peu de liquidités et de choses qui se passent sur les marchés à l'heure actuelle. Ce qui va être hyper intéressant, c'est de faire le point avec le mois prochain, voir si au mois de septembre ça repart à la hausse ou alors si cette tendance se maintient. En termes des gemmes, une gemme 4 est redescendue vers les 1000 GMT sur Solana, une gemme 4 confort, 280 pour les luck et 280 pour les gemmes efficience. Et pour les parchemins de mint, on est à 60 maintenant pour les common, 20 toujours pour les uncommon, 20 pour les rares, 50 et 184 pour les légendaires. Donc on est tombé aussi en dessous des 200 pour les légendaires. On regarde à l'heure actuelle un prix pour faire un mint, une deux common ensemble, ça coûte 192 GMT. On a 100% de chance à l'intérieur d'avoir une boîte common, 97% de chance d'avoir une chaussure common et 3% une uncommon, je le rappelle. Et si on fait un mint de deux uncommon, ça coûte 370 GMT. Donc un peu moins que le floor price des chaussures uncommon. Par contre, on a que 72% d'obtenir une chaussure uncommon à l'intérieur, 3% d'obtenir une rare et 24 quand même, c'est énorme d'obtenir une common. Là, on est sur les actifs de la BNB Chain. Donc là, à l'heure actuelle, 164 GMT pour une common, 325, 330 pour une uncommon, 1150 pour une jogger ou 1080 pour une walker rare. Et pour les épiques, on est à 4500 pour les runners. Les runners épiques se vendent très très mal. Et sinon, sur les walkers et joggers, on est entre 6500 et 7000 GMT. En ce qui concerne le prix des gemmes, voilà, ils s'affichent à l'écran. Les gemmes level 3, 70, 90 pour l'efficience, 70 pour la luck, 230 pour le confort. Moi, je regarde pas mal aussi les gemmes efficience 4. Elles étaient montées à 800 GMT il y a encore pas si longtemps, elles ont redescendu d'un coup. Là, on est 400 pour l'efficience, 300 pour la luck, 1000 pour le confort, donc exactement les mêmes prix que sur Solana. Donc c'est très proche des actifs sur Solana. Les parchemins de mint, eux, sont plus hauts. 82 pour les parchemins common, 45 pour les uncommon, 40 pour les rares, 90 pour les épiques et 365 pour les légendaires. Donc ce que l'on peut noter sur la chaîne Solana et BNB, c'est vraiment une baisse des marchés cet été. Personnellement, je trouve que les prix se sont quand même bien maintenus parce que quand on regarde la liquidité sur les marchés, c'est assez impressionnant. Il n'y a pratiquement plus de volume actuellement et je trouve que le prix des actifs sur step in résiste plutôt bien. Comme je l'ai répété, maintenant ce qui va être intéressant, c'est de voir comment la tendance évolue. Est-ce que si le marché repart, est-ce que ça va suivre sur step in ou alors est-ce que ça va se maintenir ainsi? Et sur ETH, on va passer rapidement.
2000 GMT pour les chaussures communes, entre 5 et 6000 pour les uncommon, plus de 12000 pour les chaussures rares. Et les gemmes, pour les gemmes efficience level 3, on est à 1500 GMT, les level 4, on est sur les 8000 pour l'efficience. Et en ce qui concerne les parchemins de mint, 1200 pour les commons, même prix pour les uncommon, 2000 pour les rares, 7000 pour les épiques et 13000 pour les légendaires. Donc autant vous dire que si vous tombez sur un parchemin rare sur le Royaume ETH, vous vous mettez bien direct. Pour les coups des mines, c'est 3300 GMT pour minter deux commons ensemble et 6000 GMT pour minter deux commons ensemble sur le Royaume Ethereum. C'est fortement lié au prix des parchemins de mint. On va regarder juste sur toutes les chaînes le prix des OG et des Genesis parce que c'est super intéressant. Les OG, on est à 570 de floor price. Les Genesis, on est à 12000 sur la chaîne BNB, mais sur la chaîne Solana, on est à 16000. Et si on prend maintenant les chaussures Rainbow, on est à près de 200000 de floor price et il y en a que deux sur la marketplace, une sur Solana, une sur BNB. Donc il n'y aurait pas beaucoup de chaussures Rainbow, je pense, à l'heure actuelle. C'est un bon moment pour faire des NN, c'est avoir une Rainbow, ça. Et ensuite, pour les chaussures un peu classiques, on va regarder les Uncommon en minimum 3 sockets efficience avec minimum 15 de confort et level 20 aussi minimum, des vraies chaussures qui pourraient intéresser des nouveaux acheteurs pour aller choper du GST. Sur Solana, on est à peu près à, il y a deux chaussures en dessous de 500, mais sinon on est à peu près à 600 de floor price pour une triple efficience. Et pour la même chaussure en chaussures rares, il y a quelques chaussures à 1000 GMT, mais sinon pas de suite à 1500, voire à plus de 2000 GMT pour les mêmes chaussures, et c'est toutes des chaussures montées. Ensuite, pour du full confort, on va regarder ce qu'il y a en uncommon et ce qu'il y a en rare pour les gens qui voudraient se mettre à faire du GMT. Pour avoir une bonne chaussure à l'heure actuelle, on est à peu près sur du 7-800 GMT d'investissement pour une chaussure uncommon en 4 sockets efficience. Et pour les rares, on est sur du 3000, voire même 3500, 4000 pour avoir une bonne chaussure. Donc ça reste quand même encore à l'heure actuelle vachement cher, mais c'est aussi normal parce que ce sont des bonnes chaussures. Les chaussures 4 sockets de confort, forcément, c'est des chaussures assez rares. Et encore, je trouve pas non plus ça si cher par rapport au floor price des chaussures rares. Le floor est à 1000, donc finalement, pour 3,5-4 fois le floor price, on a une excellente chaussure avec 4 sockets de confort pour aller choper du GMT. Voilà pour ce récap des actifs sur Stepn du mois d'août 2023. Cet été était, comme bien souvent, très calme en crypto. J'ai hâte de voir si, à partir du mois de septembre-octobre, ça repart à la hausse ou si cette tendance se maintient sur les marchés crypto et sur Stepn. C'était Guirac, rendez-vous le mois prochain. À très bientôt sur la chaîne Stepn Crypto. Bye bye.